Bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer des cookies Saint-Jacques gratinés. Pour cette recette, c'est très facile et ça fait beaucoup d'effet, c'est très très bon et c'est très facile à réaliser, ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Donc pour cela, j'aurai besoin de 4 crevettes moyennes pour que je puisse mettre 2 crevettes pour chaque coupelle. J'aurai besoin de 4 coquilles Saint-Jacques. J'aurai besoin d'un peu de persil que j'ai ciselé finement. J'aurai besoin d'un peu de crème fraîche. J'aurai besoin d'une échalote fine que j'ai coupée en très très petits morceaux. J'aurai besoin d'une toute petite cuillère de farine. Et ça, c'est facultatif. Et j'aurai besoin, bien sûr, d'une demi-cuillère de beurre. Et j'aurai besoin de sel et poivre. Donc tout d'abord, je vais commencer à mettre le beurre à fondre dans une poêle. Je vais essayer de dorer un peu mes échalotes. Je vais rajouter après les crevettes et les coquilles Saint-Jacques, et après 5 minutes je vais leur rajouter de la crème que j'aurai mélangée avec la farine. Là, mon beurre a fondu, j'ai rajouté les échalotes que je vais laisser dorer un tout petit peu à feu doux. Et je vais rajouter les crevettes et les coquilles Saint-Jacques. Et on se retrouve. Voilà mes échalotes ont doré. Je vais rajouter donc les crevettes et les coquilles Saint-Jacques. Et je vais laisser mijoter un tout petit peu. Je ne vais pas trop les laisser parce que après je vais les mettre au four. Donc c'est juste pour qu'ils gratinent un petit peu. Là, au bout de 2 minutes, je vais rajouter donc la crème fraîche avec la petite cuillère de farine. Et je vais mélanger et je vais rajouter du sel et du poivre et du persil. Voilà, un tout petit peu de sel, un tout petit peu de poivre. Voilà, pas trop. Voilà, et je vais rajouter, comme je vous ai dit, un peu de persil. Donc, je vais rajouter un peu de persil que j'ai ciselé. Voilà, c'est parfait. Et donc là, je vais les mettre sur mes coupelles et je vais les saupoudrer de chapelure fine. Et on se retrouve. Voilà, j'ai mis donc, là j'ai rajouté la crème fraîche avec mélangée avec la petite cuillère de farine. Après, j'ai rajouté un peu de sel, de poivre et j'ai rajouté le persil. Je laisse mijoter une toute petite minute et je vais dresser mes coupelles et je vais les saupoudrer de chapelure et je les mettrai dans le four préchauffé à 180 pendant 5 minutes. Et c'est prêt. Voilà mes coupelles, donc je les ai un petit peu décorées d'un tout petit peu de persil et je vais le mettre au four pendant 5 minutes. Le four est préchauffé à 180. Ici, notre plat est prêt. La salade d'haricots blancs, le poisson avec les choux de Bruxelles, les poivrons de multicolores gratinés, de la tomate et de la mozzarella, les coquilles Saint-Jacques gratinées, des frites et une salade aux endives et aux fruits rouges et mangues. Je vous invite à vous mettre à table.